Salut tout le monde. Les gars, ça va ou quoi? Désolé pour le retard. Les filles, elles ont eu un tout petit peu de retard. Ça, on peut pas leur en vouloir. C'est pas grave. Un peu désolé, un peu d'attente, mais ce soir, les gars, ce soir, les gars, c'est une bonne petite soirée. Je suis désolé, mais ce soir, c'est une bonne petite soirée. Ce soir, nous allons avoir un date de JP avec une fille. Oui, je dis bien une fille. Ça veut dire que on peut même attendre une heure pour voir JP parler avec une fille. Elle doit être séquestrée, la pauvre. Elle, non, encore mieux, elle ne l'a jamais vue de sa vie. Mais les gars, aujourd'hui, j'ai préféré prendre des pincettes. Ok? J'ai préféré prendre des pincettes. En mode, vous vous rappelez la première édition avec Barbara? JP, après, s'est trop projeté. Ok? Donc moi, j'ai dit. C'est pas un date à l'aveugle, c'est une opération séduction. Y a rien, y a rien. Voilà. C'est un test pour qu'il s'améliore. C'est de la séduction. Le mec, il est là pour tester ses compétences. Et j'ai demandé. Mandé, ferme ta gueule. Yeah, mon pote. Comment que ça va? Il faut vraiment que tu me dises où est-ce que vous avez mis l'autre claquette. Je sais pas, D'abord. bro. Cherche, regarde dans ma pièce, peut-être dans ma Sachez pièce. que toute la journée, je lui ai rappelé Alicia avec cet accent. Il m'a parlé comme ça toute la journée, j'en peux plus. Je vous jure qu'il est en train de péter un plein, j'ai un port-manœuvre. D'ailleurs, j'ai quelques infos. JP ne parle. Alicia n'a toujours pas répondu à JP. JP reparle à Nina. Ah, attendez, parce que dans le véhicule, vous n'étiez pas là, mais normalement, c'est 5 places. C'est un opportuniste. Une fois que la roue a tourné, il revient dans le passé. C'est un Exactement. petit con. Depuis qu'elle lui répond plus, Alicia, il est retourné vers Nina. Eh, mis à part la blague, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit, une fois que Alissa, ça va être fini, il va revenir en arrière. Oui ou Mais non? c'était sûr, mais Oui c'était ou non? sûr. Voilà. Maintenant, je Bref. cherche mes claquettes, bro. Non, 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 Qu'est-ce y a qu'on pas de va problème. bien rire, bro? Ah, c'est pas moi ça? Non, ça c'est toi là. Bref, comment ça va se passer? Du coup, il y aura la première épreuve à l'aveugle. Elle n'a jamais vu Jean-Paul Manoff. Elle ne sait pas c'est qui. Du coup, je pense qu'elle va avoir un gros choc en découvrant son visage comme tout individu. Normalement, quand tu Non, mais te. en vrai, on l'a habillé beau gosse. On lui a fait une tenue aujourd'hui. Il a fait la boule à zéro propre. Donc ça devrait le faire. Et après, il y aura un deuxième. Ça se voit, je viens de me réveiller ou pas? Faut que ce soit à Les moi. gars, je suis en train de faire un burn-out de ouf. Il y aura un deuxième exercice. C'est qu'à un moment donné, on enlèvera du coup ce qui les sépare. Et ils seront face à face. Et à la fin, elle devra le noter. Et en mode. Voilà, c'est tout. Elle va le noter et on va voir comment ça va se passer. Nous, on va leur poser des questions tranquillement. Ça va être bien drôle. Encore une relation qui pense droit dans le mur. Là, c'est un test. Parle pas de relation. Ok. Non, 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 non. Sinon, après, les gens vont nous allumer. Mais vous lui présentez des meufs, lui. Moi, je présente personne, frérot. C'est pour qu'il s'améliore. Voilà. C'est pour qu'il devienne meilleur. On va essayer de lui faire ça plus souvent. Voilà, c'est un sparring. C'est un sparring. T'as trouvé le mot, frérot. C'est un sparring. C'est vraiment la merde. C'est un sparring. J'espère qu'elle dira pas son vrai prénom parce qu'elle va en prendre des claques. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Premièrement, il n'y a rien. Nous, on a fait venir la meuf dans l'intention de vraiment pour qu'il s'améliore, pour qu'il apprenne à le faire dans la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'il n'y a rien avec la meuf. C'est pas un pyjama, les mecs, c'est pas un pyjama. Allez. Regardez, lève-toi, stylé. Je suis un C'est de pyjama. la soie. C'est de la soie. Et là, c'est du velours. Il est de soie et de velours ce soir, comme sa gencive. De velours. Ouais, ça va très bien. Ouais, je vous remercie pour avoir demandé des nouvelles de mon père. Il Ah, va c'est très bien, gentil. l'opération s'est bien Alhamdoulilah. terminée. Il se repose. Voilà. Alhamdoulilah. Bon repos. Du bon Bref, repos. je disais quoi? Il y a moyen que tu me passes les sandwichs là, juste. D'ailleurs, moi je te pose une question. Alicia, toujours pas de réponse? Zéro réponse. Du coup, t'es reparti du côté de Aix, en Provence? Non, pas spécialement. Si, t'as quitté le Québec, direction Pas Aix. spécialement. Un peu, je sais que tu reparles avec Nina. Non, c'est dis deux, trois mots, quoi, c'est tout. C'est-à-dire de trois mots. Ah, d'abord, salut, ça va, machin chouette et tout. Moi, ça chouette. Trois mots, gros. La lumière, putain, mais la lumière, elle a pas changé, les gars, je comprends pas. Parce qu'elle n'est pas allumée, c'est Mais ça. non, mais d'habitude, on l'allume Ouais, jamais, si, en elle est fait. toujours Je te allumée. jure que non. Ok, bon, quelque personne veut m'écouter, comme d'habitude, l'arabe. Personne veut écouter l'arabe.
Non. Et l'arabe, il peut rentrer dans le champ? Ouais. Tu peux manger sans en parler? Bref, tu te sens comment pour ce soir? Bah bien. Bien? Tu sais, JP, que c'est un test. Ouais, je m'en bats les couilles. Ouais, non, mais oui, c'est un test. Mais faut que dans ta tête, ce test, tu te dis, ouais, la meuf, tu peux la gérer, tu vois. C'est qui t'a coupé? J'ai pas vu. Tu crois pas en toi? Je peux faire un chaha à la coupe. T'es obligé, frère. Pas fort. Ouais, t'inquiète. Aïe, ça. T'as senti la Même moi je l'ai pas fait. Même moi je l'ai pas fait, frère. Non, ça a la coupe. Ça, après, je vais couper les cheveux, tu pourras m'en mettre ça. Non, non, sérieusement. C'est pas parce que c'est un test que tu dois aller mollo. T'inquiète pas. Il faut que dans ta tête, tu te dises. Il faut que ça te débloque dans la vie. Ok? T'as des questions un peu que tu comptes déjà lui poser. T'as même pas. T'as aucune idée de ce que tu peux lui poser, rien. T'inquiète pas, ça va aller comme ça. Tu penses que tu vas gérer ou pas? T'as confiance en toi ou non? Mec, non, parce que là, t'as dit. Moi, JP, j'ai confiance en toi, je compte sur toi ce soir. Ouais. On sait jamais ce qui peut se passer. Montre à la meuf que tu gères. On peut jamais savoir ce qui peut se passer, mais crois-moi, il se passera rien. Bon, ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Nickel. Non, non, il se passera rien, c'est sûr. Mais moi, je veux que tu. Moi, je te dis pas qu'il va se passer quelque chose, je veux que tu prennes le contrôle de la discussion. Je veux que tu t'imposes en tant qu'homme, que tu poses des questions, des bonnes questions. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui s'affirme. Est-ce que ce soir on peut voir un JP qui s'affirme devant une meuf? Un mec qui s'affirme. Super ça là. Hein? Faut pas que tu. Essaye de pas trop bégayer, essaye d'être sûr de toi. C'est bon? On verra. On verra? Ok. On va appeler Barbara. Parce qu'il y a Barbara avec nous. Elle va te donner 2-3 conseils. Oh, il a fait rentrer dans le live. Trop nul. Miskin. Elle va être gênée et tout si je lui mets une musique et tout. Barbara! Non, je peux pas. Elina, tête de tigre! Non, c'est pas ça? Ah merde. Félindra. Ça va être compliqué ce soir avec la nana. Barbara! Barbara qui s'est mise sur 131 ce soir. Oh là là, on applaudit Barbara! Là là, laisse Barbara! Comment tu vas, Barbara? Hey, ça va? Assieds-toi, Barbara, prends la chaise derrière. Fait... Comment elle fait grave semblant, elle l'a vu tout à l'heure avant le live, là? Non, je vous ai pas vu encore. C'est pas lui. Ah ouais? Ah ouais, Barbara? Ok, désolé, je dormais. C'est pas grave. Hey, toi, tu veux faire. On commence? Oh, tu commences mal, là, ne dis pas ça devant la meuf. Je connais pas. Non. Comment tu vas, Barbara? Bah, très bien. Merci d'être présent pour ce live. Barbara, toi qui étais la première prétendante. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, vas-y, commence pas, faut que tu. Je vais faire. Voilà. Écoute, Barbara, toi qui étais la première prétendante de cette émission, c'est stressant ou pas? Dis la vérité. Bah, tu sais, on m'a rien dit, mais je suis venue, on m'a dit, écoute, hein, tu vas aller en date à l'aveugle. Tu savais même pas à quoi il ressemblait. Non, je savais rien du tout. Elle m'a dit, tu sais quoi, prends-le comme un ami. Et là, dès que tu l'as vu, waouh, surprise. Ah ouais, surprise. Dépression, la totale. Elle a arrêté de travailler, elle sort plus. Elle revient à chaque fois. Je sors plus de chez moi. Ah, c'est ça, d'accord. L'horreur. Bref, ok. J'ai plus de life. Bah voilà. Les gars, n'oubliez pas de rester pro. Non, vas-y, Restez pro. Oh, reste pro. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Ouvre la fenêtre. Ok. J'ai même pas envie de respirer. Non, respire pas. Écoute, Barbara. Je suis en apnée. Déjà, qu'est-ce que t'en penses de sa tenue? Lève-toi. Attends, c'est monsieur. La nuit, non? Ah non, on a pas vu qu'il en a pas. Dormi là. Attends, recule un peu. Non, y'a rien, t'inquiète. Recule un peu. Je rigole. Mais non, j'ai pas rigolé, frère. J'ai le P, ça pue. Recule. Pourquoi tu rigoles? Recule un peu. Et Barbara, retourne-toi. Where? Dis-moi, c'est que je viens de voir que les troupes sont réveillées. Barbara, je veux que tu mettes une note à sa tenue. Franchement, 11 sur 10. Wouah! T'aimes bien le pantalon velours, la petite chemise en soie, petite basket et tout? Franchement, ouais. Et là, c'est abusé. Classe. Là, elle a la classe. Hein. Vas-y, fais un aller-retour. Vas-y, marche là-bas, reviens. Vas-y, la démarche et tout. Oh là là. Allez, assieds-toi. Tu peux t'asseoir. Bon, Barbara, je pense que ce soir, il a besoin de conseils. Ok. Est-ce que t'as des souvenirs un peu de votre date tous les deux? Non, c'était bien passé. Oui, mais. Non, je m'en rappelle, ouais. C'est plutôt bien passé. Est-ce que t'as des choses, des conseils à lui donner par rapport à ça? Mais surtout, tu restes toi-même. Et. Sois un homme.
Surtout, hein, tu lui parles et... Ouais. Mais attends, moi je vais te poser un truc. Okay. Est-ce qu'avec toi, il prenait le contrôle et il était imposant? En mode, est-ce que t'as été impressionné ou pas trop? Ouais. Ouais? Ouais, ouais, quand même. Non, mais t'es pas obligé de mentir. Non, je m'en fous. Quand elle a dit qu'il était, qu'il ressemblait à Walter White, I'm like, ok. Ça t'a fait plaisir. Mais après, quand le truc s'est levé. Tu sais que ça se trouve, il y a des sources sur le live. Vas-y, continue. Ah ouais, fais déjà. Vas-y, t'inquiète. Mais du coup, justement, il t'a dit qu'il ressemblait à Walter White. Mais au moment où le truc s'est levé. T'étais pas un peu déçu quand même? Déçu non. Même pas un non, peu non, je suis pas déçu. Ok. Il ressemble vraiment à Walter White. Ouais. Il est très fatigué. Mais un peu plus maigre. Ouais, voilà. Okay. Il a pas mangé depuis quelques temps. Wow. Je rigole. Ah, Fatson ne le touche pas trop, tu vois, il va vite. Arrête de raconter de la merde, voilà. Parce que le jour que je vais le déballer en plein live, c'est bon. Vous allez être choqués. Non, mais t'as pas le droit de faire ça, on se fait ban. Tant pis. Il a dit qu'un jour il allait montrer sa bite à un gars. Tant pis. Mais t'es un malade. Tant pis. T'es un gros détraqué. Non. Je le fais pas, les gars. Ok, il a fait une menace, putain. Je le fais pas. Qu'est-ce qu'il a là derrière? Barbara, tu peux récupérer. Ah, tu peux récupérer la boîte. Arrête de me casser les couilles. Mignon, c'est bon. Soit tu me casses les couilles aujourd'hui, maintenant, là, à l'heure là, actuelle. Faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes. Soit. Ok, moi j'ai la boîte. Les gars, c'est Barbara. Non, c'est pas là, c'est pas. Non. Moi, je suis le commentateur. C'est fini, on a dit ça. Ça, c'est fini. Putain, les mecs, je t'organise des trucs bien et tout propre et tu me frappes. En plus, c'est les mains douces de Barbara qui t'ont ramassé là. Tu peux pas rêver mieux. Non, tu devrais me remercier pour ce que je viens de faire. Essaye de deviner de quoi je parle. S'il te plaît, menace tout le monde. Ok, dommage. Non, tu sais, j'ai maigri, donc tu sais, ma bague elle est partie. Et ah, t'as maigri. Ouais. Tu vois, ça tient plus. Waouh. Ça y est, il y a une bague. Ça y est. Merci. Oh, c'est mignon. Ah, j'aurais pu me mettre à genoux. Tu veux-tu? Bon, JP, c'est là qu'a JB. Tu as été assuré là-bas. Bon, à plus, hein. Ciao. Dégage de là. T'es célibataire? Quoi? Hein? Pourquoi? Ouais. Wow. T'es célibataire? C'est compliqué. À ce moment, c'est compliqué. JP, je veux que tu te retournes et que tu regardes le mur du fond. J'ai pas eu le temps. Voilà, je veux pas que tu te retournes. J'ai pas eu le temps de gratter. D'accord. Carrément. Est-ce que je le fais pas sortir? Non, en vrai c'est bon. Juste regarde pas. J'aime bien le poney. On applaudit, ça fait. Ah bah non, un applaudissement. Bien. Ouais, alors attends, faut pas que tu regardes là-bas. Je vais te laisser t'asseoir ici. Je vais me mettre là, comme ça on voit rien. C'est pas normal. Ah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, alors je vous présente. Tu peux pas dire son prénom. Ah oui, je vous présente. Je vous présente X. X. C'est moi. Elle s'appelle X. Donc ce soir, du coup, elle va tester. Enfin, tester. Vous m'avez compris quoi. En gros, c'est elle qui va faire les frais de la séduction catastrophique de Jean Pormanov. Voilà, j'espère que t'es pas trop timide. Un petit peu. Il a le don de mettre à l'aise et de gêner tout le monde. Ah, magnifique, j'adore la gêne. Ouais, ben okay. Alors là, tu vas être servi. Hein. Super. Donc là, tu vas te régaler. Donc là, tu vois, derrière, je vais te mettre une petite chaise. Okay. Tu vas être du coup face au fond vert. Je vais juste te demander de pas regarder dans cette direction. Parce qu'il y a le retour, et dans le retour, on vous voit tous les deux. Ok. Ok. C'est bon. Pas normal. Donc voilà, je te laisse t'installer. Je sais pas si elle est rousse des nattes. Ah oui, c'est vrai. Ça va faire parler. De quoi? Parce que je sais déjà, je les vois. Oui. Non mais je crois qu'on peut pas le dire. Parce que non, pour mon homme, il est pas au courant. Ah oui. J'allais faire une blague, je me suis arrêté. Ah oui. Tiens, ok. Une balle de paintball. Gage de mariage. Ouais, vas-y, fais-la tomber, que je fais des stress. Ok. JP. Ouais, quoi? Il faut que t'arrives à... C'est bon, tu peux te retourner. Voilà, stop, regarde pas le retour. Voilà, faut pas regarder le retour. Attends, on va se décaler. On va trouver un bon petit plan de vue. Bien sympathique. Attends, où je peux me mettre? Barbara, t'arrives à te mettre... Voilà, limite carrément. Oh non, merde. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, t'as quoi en dessous? S'il te plaît, dis-le moi, arrête. Elle est toute rouge. T'as quoi en dessous? Mais, you know. Ouais, on voit rien. Ok, oh, tu m'as fait peur, wesh. Sûr. Elle est rouge. Mais regarde, elle a une jupe, elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. Ok. Oh là là. Ok, JP, est-ce que tu peux t'approcher un peu plus du fond vert? Putain, je vais te placer. C'est le but. Voilà. Ouais, je tout de suite, parce qu'on a du ouvert, t'inquiète, je vais te la clim. La clim? Ouais, mais sur le chauffage. Non, ils ont fait un clip. Tu veux qu'on regarde ce qu'on a vu? Parce que ça va, on a rien vu. Bon, ça va, y'a rien. Ouais, y'a rien. C'est bon. T'as une culotte. Oui. Oh my fucking god. Attends, la prochaine fois. C'est parti du dérangement. Ciao, petit pile. Ah, merci. Voilà, tu mets ça. On est bien. Rentre un peu plus, comme ça, tu vois. Là, tu risques plus rien. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bon, d'abord, on n'a pas besoin de vous poser des questions. D'abord, je pense que vous allez faire connaissance automatiquement. Je pense que vous avez pas mal de questions à vous poser. Du coup, ben, on vous laisse. Bon, oui. Ouais, tu peux y aller. Alors, bonjour. Salut. Mademoiselle, madame. Pourriez-vous présenter? Attends, je m'appelle Raphaël, j'ai 44 ans, je suis primeur influenceur, c'est-à-dire je travaille sur les réseaux. Mes loisirs, c'est quoi? Musique, les jeux vidéo. Le ciné. Je fais pas trop souvent en ce moment parce que le coût du travail. Mm-hmm. Voilà. Du coup, tu bosses beaucoup? Ouais. Enchantée, c'est Natacha du coup. Je pense Natacha, je peux te demander de parler un tout petit peu plus fort pour que tout le monde t'entende. Donc c'est Natacha, j'ai 24 ans. D'accord. Et moi je travaille dans l'événementiel, donc je fais de la musique, je chante et je fais du violon. Et j'aimerais bien être actrice aussi, donc là je fais des petits tournages par-ci par-là. Et voilà, j'aime beaucoup le ciné, du coup la musique, plein de choses, tout dans l'artistique quoi. D'accord. Et voilà. Natacha et sa foufoune. Gamberge. Faut arrêter avec ce surnom. Ah, pardon. Ok, pas mal. Voilà. Généralement, tu recherches quoi dans nos relations? Je pense de la simplicité, de la bienveillance, de s'accompagner l'un l'autre dans nos vies et voilà, de juste pas se prendre la tête. Apparemment, on entend Walou. Ah. Ouais, faut juste... Mais en même temps, je suis face au... Ouais, ouais, mais c'est dur. Genre, si, parce que faut vraiment que tu parles fort, genre. Okay, je après, genre, on a acheté des micro-cravates, genre à 300 balles, je sais pas quoi. Mais le problème, c'est qu'on va entendre dedans aussi. Ils vont entendre là et là, tu vois. Non, là, en fait, ouais, c'est pas grave. Non? Non, c'est. Non. Non. Mais c'est trop tard maintenant. Mais là, s'ils parlent, on entend dans ce micro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que s'ils entendent sur ce micro, ils vont l'entendre aussi sur celui-là, ça fait. Bah écoutez, augmente, haussez la voix. En fait, je vais. Je vais avancer le micro, mais le problème, ça va faire un peu de bruit. Attendez. Bah moi, ce que je recherche dans une relation, c'est d'avoir une personne fidèle, déjà premièrement, qui est à l'écoute, qui est à l'écoute. Ok. Voilà, qui est à l'écoute, et qui suit mes projets, comme c'est moi, je suivrai ses projets. Ouais. C'est tout, quoi. Ok. C'est pas mal. Je sors en ville, il y a de la chatte. Non, ta gueule, pas. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Est-ce que tu veux des enfants? Je sais pas, si tu te sens bien avec une personne. Qu'est-ce que c'est? Pas immédiat, mais plus tard. Je t'avoue que dans la situation actuelle du monde, tout ça, on se dit qu'avoir un enfant, c'est peut-être un peu compliqué. Mm-hmm. Mais en grandissant. Et en prenant de la maturité, je me dis pourquoi pas, parce que c'est un truc qui me rebutait un peu avant. Mais je commence à me poser la question et me dire pourquoi pas. T'as entendu la réponse? Ça te plaît? Elle est mille fois plus intelligente que lui. Alors en fait, comme si on n'était pas. Ouais. Du coup,
Du coup, ouais, pourquoi pas, si je trouve vraiment la bonne personne avec qui je sais que ça pourrait marcher, qui me laissera pas tomber. Enfin, je sais qu'on n'est jamais sûr de rien, mais en soi, voilà, ça, je pense que c'est une très belle expérience et que ça donne de l'espoir, surtout d'avoir un être duquel s'occuper et voilà, auquel donner tout son amour inconditionnel. Ouais, je trouve ça beau. D'accord. Voilà. Toi, tu veux des enfants ? Oui, moi j'ai des enfants, ouais. Hein ? Tu sais combien ? On va dire 3 ou 4. Parce que je me dis, si par exemple j'ai ma copine, un garçon. T'es optimiste. Je dirais bon, il va se faire chier, il faudrait que je refasse un autre garçon, et on ne sait plus que ça tombe sur une fille, alors après il faudrait que je. Voilà, tu vois, c'est. Eh ouais, je comprends. Voilà. J'ai pas envie qu'il s'ennuie, moi. Ok. Et sinon, t'as déjà des animaux ou quoi ? J'ai eu un chien, j'ai eu des chats. Voilà. Tu préfères quoi ? T'es plus chien ou chat ? Peu importe. Moi, plus chien, quoi. Moi, j'ai pas envie d'avoir des animaux, vu que avec le travail qu'on fait, on se déplace souvent. Ouais. J'ai pas envie. Pour l'instant, je peux pas m'en occuper correctement. Ouais, je comprends. Voilà. Et t'aimes bien conduire ? Ouais, j'aime bien conduire. Pour l'instant, j'ai pas conduit. Ça fait 2 ans que j'ai pas conduit, vu que j'ai pas la voiture. Ah ouais. T'entends jamais une voiture avec l'autre. Quand ils veulent me l'emprunter. Ils entendent rien. Quand ils veulent me l'emprunter. Ok. Voilà. Non, on entend rien. Okay. Ils entendent pas ? Si, normalement c'est bon. Normalement y'a pas de problème. C'est faux, il est bien le micro, c'est bon. Donc on vous laisse faire le tour dès que voilà vous. Dès que genre vraiment y'a plus de questions, on vous aide. Hein. Nous on a quelques questions. Ah ouais, si vous pouvez passer toute la soirée, nous, ça nous arrange. Ok, bah je sais pas. T'as dit que tu faisais de la musique toi ? Ouais. Tu fais quoi comme style de musique ? Alors moi je fais un peu de tout, je fais de la variété, donc. La reprise c'est... ou reprise. La variété française, non ? Ouais, française, la pop internationale. En fait, c'est pour des soirées événementielles, donc c'est vraiment pour faire plaisir aux gens et faire ce que aiment les gens. Bah, si la personne aime Michael Jackson, tu peux passer toute la soirée à faire du Michael Jackson. Quoi. Ouais, bon, après, pour apprendre tout un répertoire Michael Jackson en une semaine, un peu chaud, tu vois. Mais, voilà, à table, ouais. Mais on essaie de s'adapter au maximum à la demande. Pas du bon bois. Après, je mixe aussi un peu, donc ça, c'est plus simple pour faire ce que le client veut. Mais en soi, les gens aiment beaucoup souvent les mêmes chansons, genre I Will Survive, tu vois, c'est sûr que tu vas la passer, I Got a Feeling, des trucs comme ça. Tout le monde va danser dessus, donc voilà. Et toi, t'aimes quoi comme style de musique ? Style Jewel. Ah ouais ? Ouais, un peu du Attic. Ok. Après, François et Olivier Française, quoi. Ah ouais, genre, ok. C'est pas du tout le même style. Ouais, complètement con. Cool. Et t'aimes bien Jossman ? Juste quoi ? Jossman. Je connais pas. Juste rien. Ah. Tu connais pas Jossman ? Non. Bah écoute, okay. Jossman, c'est vraiment sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Parce que je t'avoue que j'écoute pas trop de rap. Ouais. Mais Jossman, je l'aime bien. Damso aussi, un petit peu. Damso, oui, c'est connu. Ouais. Ok. Voilà, hein. Vas-y, j'ai vu ça, c'est quoi ta couleur préférée ? Ma couleur préférée ? J'ai toujours dit que c'était le bleu, mais je crois que c'est en train de changer. Même maintenant, j'aime bien le vert pomme. Un peu. Vif kick. Voilà quoi. Et toi ? Le rouge. Rouge ? Ouais. Rouge sang, rouge. Rouge sang. Ok. Rouge sang ? Ouais, rouge sang. Ok. Pourquoi ? Non, je te pose une question. Non, rien. C'est violent quand même. Comme tu peux voir, il y a énormément de sang sur les murs. Ouais, c'est vrai, quoi, ça fait un peu peur d'entrer dans une salle comme ça. Ouais, justement, il est fan de ça. Ah ouais. Bah, c'est son sang à lui d'ailleurs. Ouais. Ah, nice. Ouais. C'est parce qu'on fait des lives un peu. Il fait des sacrifices. Petite question, tu penses quoi des personnes qui vendent des tatouages ? Ça me dérange pas. Enfin, j'aime bien, j'en ai moi. Après, j'en fais pas parce que du coup, j'aimerais bien faire du cinéma. Donc, ouais, j'essaie d'en avoir le moins possible parce que sinon, après, je caché. Mmh. Voilà, t'en as ? Ouais, j'en ai un. Hein ? Ouais. C'est quoi ? Un bandeau. Si tu poses la question à certaines personnes, ils vont dire c'est soit Lazare, soit je sais pas. Moi j'ai bien regardé, c'est un ragonda. Il ressemble un petit peu plus à un lézard qu'à un dragon. Mais il est pas mal. Si c'est un dragon, je... Moi, tu le montreras après.
C'est un gecko. Un gerbiche, tu veux dire, ça va. Non, je me désappointe, je suis chaud. Une rascasse. Salamandre. Tu chaud maintenant? Pourquoi tu avec la clim chauffage. Tu veux qu'on récupère ta veste ou c'est bon? Ah, ça y est. Tout à l'heure, t'avais trop froid, maintenant t'as chaud. C'est pas normal. La température monte. Oh la température monte, fallait pas lui dire ça. Arrêtez de dire ça à Jean-Paul maintenant. Ouais, parce que ça y est, là, il a. Oh là là, il a changé de visage. Oh là là, il a changé de visage. Oh frérot, reste focus. Reste focus, reste focus. Reste focus. Et voilà, elle a fait le bon dé. Natacha, est-ce que toi t'as une petite question pour lui ou pas? Je pense que j'en ai assez là. Ouais. JP, est-ce que toi t'as une dernière question? Non. Ok. Quoi, c'est tout, zéro? Quoi? T'en as pas une autre? C'est pas grave, moi j'ai plein de questions. Toi aussi, j'imagine que toi aussi. Mm-hmm. Je vais me permettre de commencer. Natacha et JP. D'abord je vais poser à Natacha, après JP. T'as eu combien de relations, Natacha? C'est ma question, ça. Sérieuse? Ouais, sérieuse, ouais. Sérieuse, 3-4. Combien? 3-4. Ouais. Wow, t'as quel âge? 24. 24, c'est bien. C'est un excellent ratio. Moyenne, okay. Moyenne de temps? Alors, le plus long, c'était 1 an et 7 mois. Non, pardon. En gros, bon, j'ai eu une histoire où ça a duré 3 ans, mais genre on se mettait ensemble, on se séparait, mais pour moi c'est une relation longue. Ouais. Après, avant, j'avais eu une de 1 an et 7 mois. Mm-hmm. Et après, il y en a un autre, c'était 7 mois, et là, il y en a un où c'était genre 1 an. Pas plus de 3 ans, quoi. Voilà. Ok. Bah, moi, j'ai eu une relation. En fait, j'ai eu quoi? J'ai eu deux relations, une de 4 ans, une de 8 ans. Ah ouais? C'est que ouais, c'est celle qui, que je dis qui est vraiment une relation, c'est celle de 8 ans. Il a pas. D'accord. Ah. Non, mais je précise. Ah bon? Qu'est-ce que tu précises ces trucs? C'est toi, t'es pas là. Normalement, t'es pas là. Ok, ouais, je suis pas là. Et en plus, il dit n'importe quoi. Il a c'est moi, c'est moi. Il dit n'importe quoi, c'est toi qui me vis. C'est toi qui a vécu, mon truc. Non, c'est pas grave. Du coup, c'était une belle relation? Ouais, une belle relation au début, oui. JP, parle un peu plus fort, s'il te plaît. Au début, oui, mais dans la fin, non. Ouais, mais est-ce que... Enfin, je sais pas, je pense que c'est parce que vous manquiez de communication, enfin, qu'est-ce qu'il y a foiré dans tout ça? C'est plutôt que les personnes cachaient des trucs. Ah. Ah ouais, non, ça c'est pas... C'est non, pas... parce que la confiance, c'est primordial dans une relation. La confiance? Eh ouais. Mmh. Ah ouais, c'est pour ça que tu dis fidélité en premier. Mmh. 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 Il y a une brèche là-bas. Vu que je renchéris, tu vois, sur ma question, tu vois, c'est là, c'est tout, j'aime bien la casser le truc. Et relation pas sérieuse? Oula. Ah, ok, tu vois, c'est là où on découvre les gens. T'as compris? T'as compris comment on fait? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et surtout les relations pas sérieuses. Ouais. Voilà. Combien? Je vais répondre. Bah, non, t'es pas obligé. Non, on ne t'oblige à rien. Eh ben voilà. Ok. Plus de 10? Non, ça, tu as le droit de pas répondre. Le mec, t'as la vie, plus de 5? T'as le droit de pas répondre. Non, je réponds pas. Ok, d'accord. Bah, JP, toi, est-ce que t'as eu combien de relations? Pas sérieuses. Pas les pixels. Pas non, c'est bon. T'as eu combien de relations pas sérieuses? Moi, je veux savoir. Zéro. Combien? T'es un homme honnête, je t'aime. Ça vaut la peine. Non, c'est moi, bien. Moi, je suis malhonnête. Hein? Non, parce que je pensais qu'il allait dire 50 et tout. Toi, t'es honnête. Vu que tu réponds pas, c'est qu'il y en a beaucoup. Ça, t'en quelques sens. Si tu le mets avec quelqu'un, automatiquement, c'est pour être du sérieux, sinon tu vas te mettre pas avec la personne. Mais ça veut rien dire, il y a. Pas obligé de te mettre avec quelqu'un. Voilà, il y a des meufs qui ont envie de passer une. Regarde Barbara, par exemple. Wow. Je te mets dans la sauce. Ça t'est déjà arrivé de passer des soirées sans lendemain? Bien sûr. Voilà, tout simplement. Elle comprend pas pourquoi je lui donne des billes. Toi aussi, ça aurait pu t'arriver. Moi? Bah oui, si t'avais été un attaquant. Demain, tu rencontres une meuf JP. Imagine, je sais pas, tu passes une soirée avec, demain tu la vois plus, bah tu vois, t'as flirté avec, c'est passé un bail. Ok, d'accord. Ok, tu veux poser une question? Attends, j'avais une question. Tu en as une? Safine d'abord, rentre dans le show. J'avais une question, mais je l'ai plus là. Putain. Toi, t'en as une? Oula, attends. Ok, réfléchissez. Est-ce que vous fumez? Ouais. Tu fumes quoi? Que des clopes. Ok. Mm. Beaucoup de clopes? Beaucoup, mais j'essaie de pas fumer quand je peux, ne pas fumer. Enfin,
Il y a des journées où je vais pas fumer du tout, et après fumer un paquet le lendemain, ouais. T'as jamais tapé dans le crack? Le crack, non. Le crack, je peux encore essayer, non. Sur un petit fond de PNL? Non. Respect? Ok. Sur du Joss Man? J'ai déjà fumé des bêtes sur du Joss Man. Ok, ok, voilà, ouais, on y arrive. Non, j'ai déjà fumé des bêtes, mais c'est un truc qui me va pas du tout, parce que déjà, je suis à deux de temps. Ouais. Si je fume des bêtes, je m'endors. Ah ouais. Ou je panique. Tu fais des crises d'angoisse? Ouais. Ça fait mal au crâne, non? Ouais. Mal au crâne, ouais. Ça fait flipper les meufs. Ça fait mal au crâne. Ouais, ça fait peur, ouais. Ouais. Ah ouais. Ok, et toi, Jean Pormanov? Ouais, je suis un ancien fumeur. J'ai arrêté, ça va faire un mois que j'ai arrêté de fumer. D'accord? Ouais. Oui. Un petit moment d'applaudissement. Faut savoir qui. Ouais, exprime pas. Vas-y, raconte. Deux paquets par jour de 30. Hein. Ouais. À peu près. Deux paquets par jour de 30? Ouais. Ah ouais. Et pendant combien de temps? Depuis l'âge de 18 ans, quoi. Voilà. 44, ah ouais. Ah, okay. Bravo, hein. Et aujourd'hui, tu compenses la clope avec quoi? Avec des baffes, mais quoi, c'est compensé, j'ai pas de nicotine, y'a rien, c'est que du goût. Hein. Que tu suces. Je suis fier de toi. Voilà, voilà, Barbara qui est fière de toi. Ah, alors, applaudis. Okay. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont pas faciles, quoi. Et maintenant, j'ai une question. C'est juste pour pallier sa question, okay, t'inquiète. Okay, okay. Ça te dérange de te mettre avec une meuf qui fume alors que tu viens de t'arrêter? Non. Tu serais pas tenté par la fumer? Il y a des choix. Hein. Bah, non, parce qu'il y a des personnes qui fument autour de moi. Parce qu'ils fument, ça y est, je vais tenter. Quoi. Okay. Okay. Moi, je vais poser la question maintenant à Natacha. Natacha, est-ce que tu serais capable d'arrêter? Pour quelqu'un? Ouais, pour un individu quelconque. Si je te le demande et que c'est une relation sérieuse, etc., et que c'est genre c'est pas des blagues, quoi. Il y a moyen parce que de toute manière, j'aimerais bien arrêter. Donc Ouais, il y a un monde où ça peut être une motivation. Ouais, bah, c'est ça. Okay. T'as essayé d'arrêter, mais t'as pas réussi. Ouais, mais en soi, j'ai essayé toutes les deux minutes, quoi. Ouais. Donne-lui ton astuce. Donne-lui ton astuce. Fais du laser, hein. Il a fait le laser, ouais, mais explique-toi bien. Ouais, en fait, laser anti-tabac. Et tu peux prendre rendez-vous sur internet. Tu peux même prendre rendez-vous aujourd'hui pour demain. Ok. Tu vas en rendez-vous, ça vous dure toi. Même pas 30 minutes. Mm-hmm. Elle te fait un laser. Alors, c'est un petit truc, hein, c'est un laser inodeur. T'as pas de mal, t'as rien du tout. Mm-hmm. Oreille droite, okay. Oreille gauche, et sur, près du, sur le nez. Mm-hmm. Dans le nez ou... Non, sur le nez. Non, sur le nez, là. Là. Sur le nez, ah ouais, là, ouais, comme ça. En haut du nez. Je l'ai vu, j'étais là. Et du coup, t'as vu en lien. C'est un laser qui est comme ça. Ouais. Ça te réduit comment ça s'appelle? C'est quoi, quand tu fumes? C'est comme si tu prends un laser. C'est comme si c'était une récompense pour toi. Ouais, ouais. Le plaisir, ça fait... C'est pour le plaisir. Tu enlèves tout ça, quoi. Bah, ça te diminue le plaisir de la nicotine. Ok. Moi je pense qu'elle t'a plus soigné avec des placebos, elle t'a fait croire. On n'avait pas, bon. Elle t'a fait croire. Non mais tant mieux, ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Parce que... Moi je veux juste poser une question. Est-ce que Natacha, t'as tout compris à ce qu'il t'a dit ou pas? Très important, tu vois, pour garder le fil. Laser ou... De tout en général, quand ouais. Il dit c'est bon. Ouais. Barbara. J'avais une question. Le week-end, tu préfères sortir ou rester plus à l'intérieur? À l'intérieur de quoi, Barbara? Bah, c'est pour vous deux, celui qui veut répondre. Ah, Natacha. Ok, à Natacha, okay. T'es plus fêtarde ou maison? Alors, le week-end. Ça dépend des périodes, en été je sors beaucoup plus qu'en hiver, parce que mais là en ce moment je suis devenue très très calme, j'avoue. Après de base je suis assez casanière, mais ouais j'ai des périodes où j'aime bien sortir plusieurs soirs dans la semaine, parce qu'en plus avec mon métier, je peux un peu avoir le rythme que je veux. D'ailleurs, j'ai ton métier qui est musicienne dans l'événementiel, et du coup là j'aimerais bien être actrice. Ah, musicienne à plein temps? Ouais, ouais. D'accord. Je suis intermittente du spectacle grâce à ça. Donc, d'accord, ok, incroyable. D'accord. Voilà. Et du coup, JP. Du coup, moi, on va dire, c'est plus à la maison que sortir, quoi. Ok. J'aurais plus de possibilités de sortir, je sortirais plus, mais bon, voilà, c'est pas la possibilité. C'est parce que c'est un stagiaire, on n'autorise pas. Non, c'est pas vrai. En fait, il aimerait bien sortir. Mais là, tu leur as dit, ce week-end, tu sortais? Oui, ce week-end, je sors. Ne dis pas où, mais ah, ce week-end, il sort. Ce week-end, il sort? Ouais. Ouais. Tu veux sortir avec lui, d'ailleurs? Ouais. Tu voulais sortir avec lui? Je viens, hein. Il vous invite. J'accompagne. Une grosse soirée. Il va où? Je sais pas.
Du coup, t'as une autre question Ouais, tu vas où samedi? Arrête. Je sais pas, moi. Attends, je réfléchis. Bon. Sinon, j'ai une question. Vas-y, fonce. Pour Natacha. Ouais. Tu aimes faire à manger? Ouais. Tu fais quoi? Oh. Alors, moi, de base, j'ai pas trop d'inspi. En fait, quand je fais mes courses, à chaque fois, je gaspille des trucs. Donc là, j'ai testé HelloFresh et en soi, il y a des super bonnes recettes dessus. Ah. HelloFresh, dont j'ai fait un partenariat. On a été payé par HelloFresh. Voilà, c'est pas un partenariat. Ah, mais non, on a été payé par HelloFresh pour faire des recettes. Et alors, vous en avez pensé quoi? C'est trop. Franchement, c'était cool. C'est une OP. Voilà, c'est pas une OP, oh les gars. Non, là, c'est pas une OP. C'est pas une OP. On a déjà fait dans le passé des OP. Mais nous, on l'a déjà fait. Franchement, c'est pas mal. Mais quand ils te livrent et que t'es à la maison. Parce qu'une fois, on nous a livré du poisson. On n'était pas à la maison. Ah, du coup, il est resté toute la journée dehors. C'est vrai, ça. C'est pas au soleil en plus, c'était en été. Avec la viande était marron, tu sais. Ouais, ça truc, c'est pas ouf. Faut être à la maison, quoi. Ouais. Oh là là, oh, mais. Oh, il y a un problème de roue. Il m'a gavé ce clavier, franchement. Depuis que JP l'a tapé, il fait des bruits chelous, wesh. Ouais. Bah, du coup, avantage, si un jour si tu te mets avec Jean-Paul Manos, sache qu'il pourrait avoir énormément de cartons HelloFresh gratuitement. Ah non, ils m'ont refusé là. Non, t'inquiète, ferme, c'est sur moi, t'inquiète. Sinon, je fais les meilleurs carbos du monde. Pas de carbonara? Eh! Ah là 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 là, incroyable! J'aime bien ça! Voilà. Et JP? Et toi, JP? Bah, moi, j'ai pas l'occasion de cuisiner. Hein. Quand je cuisine, c'est quoi? C'est très rapide. C'est vrai. C'est quoi comme rapide? Des frites. Surgelées, des steaks surgelés, tu mets ça dans la poêle, c'est bon, c'est ça. Ouais, je fais ça aussi souvent quand j'ai la flemme, donc t'inquiète. Bon. Tu peux faire des pâtes, c'est bon. C'est la burrata. La burrata, exactement. T'aimes la burrata? Oh, j'adore. C'est là? Oh là. Fallait pas dire ça, ma grande. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une grande histoire autour de la burrata. Et j'ai une petite question, ton café. C'est quoi la tsunosée? C'est par rapport au keko fruit. D'accord, moi j'ai une question beaucoup plus intéressante. D'accord. C'est quoi pour toi un date idéal? Moi, un date pas mal. Juste avant que tu commences la question, t'en penses quoi de l'inflation des cakes aux fruits? Du fait qu'ils ont réduit les tranches? D'accord, il faut en parler. Alors, j'aime pas les cakes aux fruits, donc d'accord. Ah ouais? Mais parce que t'as vu, les prix ont augmenté, mais les tranches sont beaucoup plus petites maintenant. C'est tout, hein. Ah. Mais je t'avoue que, ouais, du coup. Ça me tenait à cœur. D'ailleurs, toi, t'en penses quoi, Barbara? Je sais même pas ce que c'est. Un cake aux fruits? Ouais. Tu sais, c'est un truc, c'est non, c'est comme ça. En plus, cake, c'est en anglais, effectivement. Non, c'est comme ça. C'est un fruit? Ouais, non, c'est comme ça. Un cake. Et là, ils les ont réduits. Cake. Tu sais quoi, cake? Non. Un cake. Cake. Cake, it's like un gâteau. Un gâteau, ok. Yes. Voilà, yes. Au fruit. Yes. Au fruit. Un gâteau au fruit. J'aime pas les fruits. Oh, comme elle est aigrie, tiens, prends une balle. J'aime pas, je mange jamais. Bon, elle est pas intéressée par l'industrie du cake aux fruits. Faut que j'aille la descente. Je suis dans le jardin des îles, Emily veut me. Oh, mais c'est embêtant. Là, je suis trop indécis, j'ai le nuage en jambon.